Bonsoir les filles. Bonsoir Marie. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Marie, qui est ce qu'on appelle un PDG, donc le planteur de géranium. Et à ses heures perdues, elle crée des huiles alimentaires. Oui, c'est ça, je ne me suis pas trompée. Pas du tout. Bien. Donc en fait, Marie utilise des huiles comme vous et moi, des huiles d'olive, des huiles de tournesol, et les fait un petit peu varier, et elle va nous donner ses secrets. Parce que on a ce soir Isabelle. Isabelle, elle a 42 ans, et elle, c'est une fan de cuisine. Et en fait, d'accord, elle cherche tout le temps la nouveauté, des petites choses à agrémenter. Donc, comment on peut aider Isabelle à agrémenter ces petits plats? Alors, moi, je vais lui dire, moi, j'ai dans toutes les huiles alimentaires que je produis, donc j'ai de l'huile au combava, j'ai de l'huile au calopilé, de l'huile à la bérose, au piment, piment cabri, enfin, tous les épices qu'on utilise dans la cuisine réunionnaise, d'accord, sont dans les huiles. Mes huiles. C'est trop donc, bien, c'est une façon, voilà, c'est une façon d'extraire qu'on a. Ce n'est pas une hydrodistillation, non. Ce n'est pas un macérat non plus, parce que les gens me disent, ah, ouais, on met... Non, c'est une méthode de... Macération? Voilà. Non, c'est pas une méthode de macération. D'extraction qu'on a. Mais c'est secret, on n'en parle voilà, pas. On n'en parle pas. On n'a pas le droit. Mais par contre, je peux vous dire que le combava sur des tranches de poisson ou sur un curry de camaron est une merveille. C'est une délice. Voilà. Vous faites des toasts. J'ai faim. Voilà. Vous faites des toasts. C'est l'heure de dîner en plus. Voilà, tout à fait. Vous faites des toasts. Pour Noël ou pour vous mettez des carpaccio de saumon, et ben vous faites un spray sur vos toasts de combava ou de gingembre menthe, c'est une merveille. Tout ce qui est viande, vous avez la bérose sur de la viande, sur des grillades, c'est extraordinaire. Et le calopilé sur les côtes d'agneau et dans la salade. Ça calopilé donne dans la vinaigrette, voilà. Là. Ça donne un goût de sésame grillé à la salade. C'est une merveille. Quand est-ce qu'on va dîner chez toi? Ben, ce qu'on veut. J'ai aussi, bon, au basilic, à l'ail, à l'oignon vert, aux quatre épices. Enfin, on a 14 variétés d'huile à utiliser. Voilà. Et donc, Isabelle. Dans la cuisine. Isabelle. Et ben, elle vient chez nous et elle aura l'embarras du choix. Tu donnes des cours de cuisine aussi? Je ne donne pas des cours de cuisine, non. Je ne donne pas des cours de cuisine, mais en général... De nombreux gens, conseils. Voilà, et les gens qui viennent manger chez moi, en général, ils repartent sans contact. C'est vrai, ils en le vendent bien plein. Voilà. Bon, ben c'est voilà. Super. Et je cuisine surtout, en fait. Ah, voilà, en plus. Oh là là. Donc, c'est voilà, super. En tout voilà, cas, merci pour toutes ces informations. Merci. Parce qu'on a appris plein de choses ce soir, les filles. Hein. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, donc vous nous contactez sur www.secretdefille.tv ou alors, bien évidemment, sur la page fan. Merci, les filles, et bon appétit.